Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode Crusader Kings 3 avec mon camarade Serikai. Bonjour les gens, ici c'est Akel le Poissard. Voilà ce que j'allais dire, Serikai le poissard, et on reprend la partie. Ma fille, tiens, l'autre a pas fait de fausse couche. C'est un miracle. Et ce qu'on disait avec Serikai, c'est le duché de Moray, là, le gros, ouf, il est balèze. Moi, que je regarde, est-ce que je vais perdre des titres à ma succession? Titre perdu à succession, je vais perdre quoi? L'ordome de machin truc et ça qui vont arriver sur mon fils et pupille. On va peut-être leur fourguer à lui le. Ah, attends, il y a la croisade qui se déclenche. Est-ce que je le filerai pas à lui, mon titre, à mon fils? Plutôt qu'à l'autocar. Alors je m'en pose hein, parce que là je suis et la succession et. Rang. Merde, mon fils, il est où? Il n'a pas eu son Ah, mon fils. fils. Non, il est là. Il a combien de voix? Il a 13 voix, j'en ai 5. Si je votais pour mon fils. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le Sutherland là? Ah non, c'est dans mon royaume. Ok. Donc, je suis en guerre contre qui? Contre toi? T'as rejoint la croisade? Oui, mais j'ai rejoint Ouais, en pour mode. Voilà, ouais. Oh putain, la France a rejoint par contre. Ouais, le Saint-Empire. Ouais, après, t'as les autres qui viennent de Bavière, donc je pense qu'on va les défoncer petit à petit. Alors que je regarde vite, qu'on regarde vite fait qu'il y a dans cette guerre. Ce que j'aime pas avec les croisades, c'est que ça dure 20 ans. Quand t'es défenseur, c'est. Oh, ils ont deux fois plus de troupes que nous, quoi. Oh putain. L'Écosse. Eh mais attends, j'en reviens pas. La Suède a pas rejoint, le Danemark a pas rejoint, le. Oh les bâtards. Oh. Tchouk. Bon, les Irlandais n'ont pas rejoint non plus. Je me tatouille. Je me tatoue, je me tatouille. Comment je peux gérer ça? Là-bas, on va rejoindre, on va appeler. Ah, ils sont déjà en guerre, ils sont déjà. Ouais, bon, on va passer en mode guerre, on va aller en profiter pour piller, raser, détruire, démonter. On les envoie tous là-bas, et voilà, je passe en vitesse 2, et on enlève la pause, la croisade commence. Quoique, je vais aller siéger chez toi, tes vassaux. Vas-y. On va en défoncer un. Ah, je vais me mettre là, je vais siéger tranquillement. La Northumbrie. Alors attends, que je regarde toi ce que t'as comme territoire. T'es où, poteau? T'es là. T'as quoi? Ouais, ça, on s'en fout. Le Yarm de Jorvik, ouais, mais. North Yorvik. Riding, West Riding. Ok, donc j'éviterai de piller tes territoires. Par contre, je vais aller défoncer ce qui est à tes vassaux. Ouais, Lancashire, je suis en train de le confisquer à un de mes vassaux parce qu'il me trahit, donc je vais le confisquer son pays. Ouais, et la Northumbrie, je m'occupe d'aller les. Vas-y, défoncer si tu veux. Voilà, mais j'irai pas prendre tes territoires, je vais défoncer tout ce qu'il y a autour, histoire d'affaiblir tes vassaux, mais pas de toucher à toi. Mon fils est adulte, un guerrier mal avisé, ingénieur militaire. Ah, le truc paradoxal, quoi. Non, mais il peut très être ingénieur, être très bon dans les bouquins et. Mais nul sur le champ de bataille. Pas impossible, hein. On va y trouver une conjointe triée avec des traits héréditaires. Il a quoi comme trait? Lui, c'est un tocard. Ça, c'est trop petit. Ça, bon, faut que je rajoute des considérations. Qui soit
de... merde, qu'il soit pas de ma dynastie. Très bien qu'on évite les trucs un peu bizarres. Elle a 10 ans, on a 6 ans d'écart, non? 25 ans. C'est quoi ce trait-là? Robuste? Oh, c'est bien ça. Ouais, ça a 12 ans. Ah merde, c'est de... Casse les pieds, mon fils, il quoi... enfin, mon héritier, c'est quoi le catholicisme? Donc je vais l'exécuter. Voilà. Mais qui est sauvage? Ça me saoule là. J'en ai marre d'avoir des héritiers qui sont des singes là. Je le convertis au catholicisme, non? Adulte. Adulte, oui, on va prendre les adultes. Hein. Déjà, ça va les laguer un petit peu. 25 ans, non. 38 ans, trop vieille. Ouais, 25 ans. Oh putain, des jumeaux. Mais ces pêcheurs ont un prix, je sais, je m'en fiche totalement. C'est un land. C'est un land, tu vois, un truc qui est en guerre, elle? En guerre contre le pape. Est-ce que lui a rejoint... Et ça te dirait pas de rejoindre la croisade, espèce de sac à merde? Voilà, maintenant je peux révoquer le titre de ce FDP. Et voilà, passer en autorité limitée. Il suffisait juste de bourrer. Voilà. Donc Ouais, voilà. j'ai pris là-bas. Bien sûr, j'ai 15 de contrôle, évidemment. Quel merdier. Quelle merde là-haut. Cauchemar. Ah, pour l'instant, il gère la bataille. Il gère, il gère. Ah, on a plus 12. Pourquoi est-ce qu'on a plus 12? Bataille gagnée, ouais. Score de guerre. Et c'est quoi qui détermine le score de guerre? C'est uniquement les batailles, dirait-on. La maison, voilà, c'est ça que je veux voir. Les héritages, pillage. Moi, mes vassaux, ils se mettent sur la gueule hein, pour changer. Ça vous dirait pas, les gars, on est en guerre là contre le pape? Non, on s'en fout. Clairement, vous tous. Allez, on va assiéger Durham. Durham des femmes et de la bière, nom de Dieu. Durham. Désolé. Les lions Bah du rap. oui. Ah oui aussi. J'ai Un honte. vassal puissant, ça tombe, c'est pas grave ça. Attends, pose ton conseil, mais les mecs. Ah, ils J'ai que sont des pénibles. vassaux puissants. J'ai que des vassaux puissants au conseil, ils vont pas m'emmerder. Si, mon héritier, faut que je me penche sur ça. Allégeance au titre, c'est quoi ça? Ah ouais, ok. L'élection, il est troisième. Après, tant que ça reste dans la famille. Soutien GNUPA. Non. Mon candidat, pourquoi? C'est un pantin de l'étranger. Pourquoi il est où lui? Mais d'où je suis un pantin de l'étranger, putain de merde? Quelle dynastie? Moi, je suis la dynastie Ivar. Enfin, je réorganise le pays après. Hein. À un moment là. J'imagine, oui.325 le siège. Ah, voilà. On a pris un peu de territoire. 24 contre la croisade. Oh, bah, ça va être bon. Non, non.
Ah, c'est le mur d'Adrien, ça, je pense. Où ça? Au nord de ton pays, tu sais, à la frontière Ah oui. Northumbrie, c'est le mur d'Adrien, ouais. Ça, vous voyez les morceaux qui restent, effectivement. C'était quand même impressionnant, quoi, ce bordel qu'ils t'ont fait, les mecs. Là, c'est bien, on peut voir les anciens, les monuments. Enfin, si tu vas à Aix-la-Chapelle, tu vois le palais d'Aix-la-Chapelle de Charlemagne. Attends, Aix-la-Chapelle, Luxembourg, c'est par là, je crois. À l'aise au Appel à la Liège. guerre. Je vous entends me joindre à la révolte catholique anglo-saxonne. Si tu veux, c'est où ça? Elle est où cette guerre à la con? Attaquant. Il est où? Ah, il est au sud. Bon, bah, vas-y, fais-toi plaisir. On peut transférer la barre. Ouais. Le Jarl Einar a un duel judiciaire. Élection en cours au royaume d'Écosse. On transfère un vassal. Un atout disponible. Hop, santé de fer. On prend ça. Histoire de vivre un peu longtemps, histoire de restructurer un max. Bon, toi, ça devrait être bon maintenant, t'es rebelle, je pense. Oh, c'est bon, je suis preuve de rebelle. Ok, bon, ben voilà, je me casse de chez toi, je vais aller m'occuper maintenant des. C'est Les pas trucs mieux. annexes. Attends. Il y a des mecs qui me disent, oui, on a des gars chez vous là qui nous demandent une question sur le Brabant. Mais j'ai du mal à récupérer l'Angleterre, j'ai pas emmerdé à aller choper des trucs au Brabant. M'étonnes. Bon, il y a une. C'est pas grave, y a pas d'autre maître espion. Butez-moi. Se fait piller alors que j'étudie un peu. L'Earldom de Lothian, ouais. L'Earldom de Man. Ah bah c'est bien si c'est lui qui est mon héritier, bah je vais. Bouge pas mon gars. On va voter, pas pour mon fils, t'es gentil mon fils, mais on va plutôt voter pour lui, qui est un peu plus puissant. Va falloir que je te redécoupe ça après. Comment est-ce qu'ils peuvent dire on vote pour un gars qui est trop loin pour interagir avec? Putain, il y a du monde là-bas. Saoule. La croisade est plus du cul. Non, je vais me casser chez moi. Le Jarl Ocre, c'est qui celui-là? L'autre il vient me piller de là-bas quoi. Non mais sérieux, va piller les catholiques, tocard! Allez, on te recrute. Ah ouais. Bon, on défonce les pillards.
attend qu'ils arrivent. Oh, je leur passe en vitesse 3. Voilà. On fait rentrer les troupes. Ils se démerdent avec leur guerre. C'est quoi? On promeut la culture. Dans combien de temps? 7 mois. Aldom de Mon, il regarde contre qui? Lui, Oz, bordel. Voyons, étudions un peu à sa trousse, ça c'est ma foi. La foi, ouf, j'ai pas assez de points. Non, pas la maison Ivar, c'est pas ça que je vais regarder, c'est la technologie. Ah, on est en train de chercher les onagres. Un jour. Héritage de la dynastie disponible. Ah, voilà. Hors des ronçons, plus 50%. On prend. Ravisseur expérimenté. Un de mes postes est vacant, mon chancelier. Ben voilà, 25, il reprend sa place. 300 points en expérience de érudition. Non, 300 points, on prend. Ensuite, mon héritier. Ben, mon fils. 5 votes qui ne votent pas pour mon fils, bande de tocards. Il est deuxième. Bon, en même temps, il n'y a que moi qui vote pour lui. Lui, il a quoi comme titre? Ah, il a des revendications, mais il n'a aucun titre, lui. Ouais, super. Bâtissant, mais c'est quoi, cette fiotte? Je crois qu'on va peut-être trouver un pour agir. Attends, il est basé où, lui? En Vastor Gotland. Tiens, viens là, toi. Je peux pas... L'autre, l'héritier, c'est un centaire. Les mecs, ils votent pour lui tellement ils m'aiment pas. En autocar. Ok, faut que je m'occupe de ça. L'élection. Les électeurs, ils sont 13. Votre candidat Gutfried. Je comprends pas pourquoi ils disent c'est un pantin de l'étranger, quoi. Je sais pas. Je comprends pas non plus, hein. C'est un pantin de l'étranger. C'est le truc, voilà, moins 50, j'arrive pas à comprendre. Il est où ce mec? Il est à l'étranger ou pas? Ben, mon fils, il est où lui? Il est à Bacour. Son tuteur, c'est qui? Il est majeur. D'accord. Le mec, les caracs, il a des caracs corrects. Il a de la piété, bon, il a pas de prestige. Je comprends pas. Et l'autre, je peux même pas l'inviter, le foutre à la tête d'une armée et aller le faire se faire défoncer, quoi. L'autre, attends, tu vois, Karak 13-4, 5-3-5, quoi, non mais merde. Viens à la maison, il est trop loin. Déshérité. Il va faire partie de mon pays, la dynastie n'a pas 75 en renommée. Pas assez de renommée pour le dégager, la dynastie. Bon, je crois que la merci va redevenir... Ah oui, mais en fait, non, c'est juste que c'est quelqu'un d'autre qui va récupérer le terrain. Ouais. Ah, parce qu'il y a du monde, hein, putain. Si je me rends, ça fait quoi? La comtesse obtient le royaume, tous les titres au sein du royaume ciblé. Bah non, je peux pas me rendre. Ah oui, je suis mourant, merci. Et là, t'as trouvé un remède et tu survis. Non! Le rebelle a été complètement foireux, elle m'a coupé une jambe, cette conne. Ouais. J'ai buté. Oui! Ah, vas-y, mets la pause. Bon. Le Jarl Einar, c'est qui, lui? Ah, il a tenté... Ah! Attends. Voilà, très érudition. Ah, j'ai perdu Jorvik, d'accord. Je peux le défier à un duel et tout.
Or, non. On va faire un petit. Non, je vais regarder avant de l'attaquer. Duel à mort. Il a quoi? Ouf, non, il a 22 en prouesse. On va peut-être éviter de le défier en duel. Ok, j'ai 22 aussi. Moi, je suis berserk et aspirant maître lame. Et lui. Berserk, maître des âmes. Non, on va éviter de le défier. Je vais me faire défoncer. Le chef Snorri de Carrick. On va lire les Yorvik. Là. Ah, on va le transférer. Hop. Alors voyons, on a quoi comme truc? Non! Il est quoi lui? Il est catholique. Ce serait bien que tu te convertisses, toi. Exiger une conversion. Clic droit, on va autre. Où est-ce que c'est déjà? Y a pas un truc espionné? Non, faut avoir le don pour espionner. Non, faut envoyer le. Chercher des secrets, voilà. Halte lutte. Va me chercher des secrets là-bas, toi. Baronmyr. En Ulster. Ah, je peux l'emprisonner, limite, elle. Ben, tiens, on va faire ça. Hop, clic droit. Emprisonner. Avec d'autres vassaux mécontents. Ouais, non, ça va peut-être éviter les factions. Il y a quoi? Non, il y a un membre. Son paysanne, on s'en bat les couilles. Ça, on veut pas faire. On veut pas faire. Des types peuvent être créés. Duché d'Alba et duché de Mans qui ont été détruits. Ok, ben pour moi, c'est quand tu viens. Si tu veux reprendre, enlever la pause. Bah pareil aussi. Je suis plus indépendant. Je suis plus indépendant. J'ai paumé le royaume, le Danelaw. Non, mais Kitokar, t'es où toi? À Yorvik. Non, oh putain. La capitale. J'ai perdu mon territoire que j'ai bien développé, fait suer. Mais t'es qui toi? T'es Borghild Orbson? Non, non. Borghild, c'est mon suzerain. Moi, je suis le mec à l'ouest, là, à Lancashire, là, le petit gamin de 13 ans. Attends, l'ouest, c'est ça l'ouest. Lancashire. Parlez de lui, voilà. Non, et t'as même pas de claim sur. Mais non. Oh Mais c'est mon putain. grand-père qui est mort. J'en peux plus de cette game, j'en sais pas. Bon, vois le côté positif. Ton suzerain, il est à sa tru. Moi aussi, je le suis. Kitokar, c'est Serikai. Ah putain, il y a le tuning de fin d'épisode. Donc bon, bah on va discuter en off si on continue la partie ou pas, parce que théoriquement, on devait faire le Danelaw, on devait faire le royaume du. Les pirates du Mans, et au final, ben. On est roi d'Écosse, truc et autre, c'est un clodo qui repasse ses comptes. Donc, t'es un comte ou t'es juste un duc? Je suis duc. Bon, c'est déjà ça. Ah ouais, d'accord, t'as le. Ok, putain, t'es à Lancastre, mais t'es duc de Jorvik. Et dedans, t'as combien de territoires? T'as combien de vassaux? Rien. J'ai Ah oui. trop. Je suis une ruine. Ah putain, qui est clos. Donc voilà. Bon, tu veux qu'on. Non, on s'arrête là, je pense, on arrête la série. On peut l'arrêter là. On va l'arrêter parce que ça devient la merde. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu le temps de se remettre un peu dans le bain. Donc voilà, après on va voir ce qu'on fait pour la suite. Donc vous verrez sûrement demain ou début de semaine prochaine. Donc voilà. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de toute façon à liker, commenter, donner votre avis, poser des questions, proposer des sujets de partie. Donc voilà, faut pas hésiter. Allez, sur ce les gens, on vous dit bye bye et on se retrouve, ben on sait pas quand. Ciao tout le monde! Au revoir tout le monde.